ne vous vengez pas vous-même. Souvenez-vous que vous étiez étranger en Égypte et que vous étiez maltraité. À votre tour, ne faites jamais souffrir les étrangers. Lorsqu'un étranger s'installera parmi vous, traitez-le comme votre frère. Qu'il ait part à tout ce que vous avez. Je vous donne cela en loi, c'est-à-dire en doctrine. Vous devez suivre ça. En tant que chrétien, rien qu'en tant que chrétien, le Seigneur dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Merci. Et le Seigneur a dit, à moi Elohim la vengeance. Vous ne vous vengez pas. On nous a chassés du Congo Brazzaville, c'est-à-dire on a chassé les Congolais du Congo Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, les Congolais sont encore retournés à Brazzaville. Ne parlons même pas de Brazzaville. On a coupé les têtes des Kasaïens. On les a jetés dans des lacs ou dans des rivières là-bas. Ils ont été broyés. Les Kasaïens ont souffert, disons de la part des Katangé, deux ou trois fois, mon frère. Moi-même, j'ai vu. On a mis les forces dans le gouvernement. Mais c'est un échec. Aujourd'hui, nous sommes. Pas même une semaine après. Je dis, aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où, par exemple, avec les Sud-Africains? Nous sommes où? Où sommes-nous? Nos frères qui sont maintenant à l'Afrique du Sud, avec tout ce que nous sommes en train de faire, ou nous sommes en train de proposer de faire, nous serons. Comment voyez-vous l'avenir du Congo après 5 ans? L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de vie en français et le Belabiso Nalingala. Tozali Nambano Makoki. Privilège, Yaroyamba, Mwana Mboka, le pasteur Pierre Kasse, Kassambakana, l'ambassadeur de la paix, le représentant de l'église primitive, le numéro 1 de l'église primitive en République démocratique du Congo et à travers le monde. Ensemble avec lui, Lelo Tozolo Belamakambo et Tali Xénophobie, Loko Ezole en Afrique d'ici, Paiwapi Bande, Konabiso Bakongolais, Bazozala assassiné, Bazo Zig Saba Congolais. D'abord, hier, le président de la République fallait ça la voyage en Afrique d'ici. A boyko ken d'Afrique d'ici parce que Azali na bolingo ya mboka. Que dit la Bible lorsque une nation, Bazo Bundana nation mosusu sur le plan de Makambo Tokomo na Lelo, à Lubumbashi, les gens de la Lucha, ils ont marché, bah, Tumbi, bah, magasin à Shoprite, y compris à Kinshasa, bah, j'ai un étudiant bah, marché, mais dispersement à la police, c'est Salamaki, à travers la ville, province de Kinshasa.
le lot ambassadeur de la paix à Koye Bissabiso. Est-ce que Makamba Boye, c'est Salamaki na Biblia? Est-ce que Makamba Boye ezote à Bisso Nini sur le plan spirituel et sur le plan Nenge Bokezo Kende? Lelo 89 00 6149. Lelo Akolobela Bisso est tant qu'ambassadeur de la paix et puis est tant que Congolais, mon Amboka, l'homme de Dieu, Shalom. Shalom. Tout le plaisir est pour nous à Royamba, une émission à Lelo. C'est inutile pour ça la présentation parce que monde Mobimbese et Yebi, Pasteur Pierre Kaskasambakan, ambassadeur de la paix. Congolais, lobby Azalaki malmené en Afrique du Sud. Congolais, Bengani en Afrique du Sud. Congolais, Tumbi en Afrique du Sud. La xénophobie, est-ce que la Bible parle de cela? La Bible a déjà parlé de tout, mon cher frère. Le peuple même du Seigneur, Israël, il a beaucoup souffert de la part d'autres nations. Et le même peuple du Seigneur, appelé dans la Bible, Deutéronome 14, enfant d'Élohim, souffrira encore dans l'avenir très proche de la part des Romains et de la part des nations qui seront à la suite de la grande puissance mondiale, le romanisme. C'est cette puissance que le Seigneur, lui, quand il vient pour établir son règne sur la terre, le règne de paix, va détruire. Le Seigneur en revenant, pas pour l'enlèvement, mais pour s'installer en tant que le seul roi du monde entier, il aura affaire à ces grandes puissances qui vont se mettre en coalition pour faire la guerre au sein de ça et pour envahir même Yerushalayim, disons Israël, pour s'emparer de la capitale. Il y aura une guerre mondiale. Donc la Bible a déjà parlé de ça. N'en parlons pas aussi ce qui était arrivé en Égypte. Le même peuple avait souffert beaucoup en Égypte. Au temps de la naissance du grand prophète Moshe, Pharaon et les siens ont fait souffrir les Béné Youda. On a pris les bébés, on les a tués. Il fallait les tuer, il fallait les jeter dans le fleuve. Le nom même de Moshe signifie cela. Il avait été tiré des eaux, mis dans une caisse et puis caché ou déposé dans le roseau sur l'eau. Les souffrances, il y en aura toujours, mais le Seigneur avait dit, ça ne sera pas encore la fin lorsque ça commencera avec vous. Quand il parle de cette chose, il a dit, il y aura les troubles, il y aura des guerres, il y aura la famine, il y aura beaucoup de choses, on vous fera beaucoup de mal. C'est connu. Mais gardez-vous d'être troublés car ça ne sera pas encore la fin. Mais il y aura la fin. La fin va commencer par de très grandes guerres internationales. La Russie, d'abord en tant que puissance dans la main du Seigneur pour punir les faux chrétiens, va bombarder d'abord les États-Unis d'Amérique pour les écarter de la course ou de la scène ou de la guerre internationale ou mondiale qui va se faire. Ensuite, avec les pays arabes, ils vont bombarder encore le Vatican, le centre même du faux christianisme, et tous les pays catholiques comme la France, l'Espagne. Ce sont des pays que le Seigneur, dans son programme de la Bible, a déjà promis d'effacer. En troisième lieu, la Russie en tête, selon Ézéchiel 38-39, va se mettre avec les Arabes, les pays arabes, ensemble pour aller faire la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire pour aller envahir le camp de Béné Israël, en Israël, Yerushalayim, la capitale du grand roi, pour s'emparer de la vallée la plus riche, la vallée de Megiddo, qu'on appelle Armageddon ou Armageddon, pour que les gens comprennent bien. Et c'est là que le Seigneur dit, dans la prophétie, il paraîtra. Yahweh paraîtra
et combattra là, à l'Est, comme il combattait aux anciens jours avec le roi Daoud et avec d'autres rois pour donner la victoire à son peuple d'Israël. Alors la paix va s'installer. Lorsque le roi de paix, Sar Shalom, déjà le nom que Shlomo portait pendant son temps ou pendant son règne, c'était la paix. Et lorsque Sar Shalom, le grand souverain du monde, Yeshua HaMashiach, va s'établir sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, alors il y aura la paix. Et pour ce qui concerne ces choses-là qui arrivent souvent en Afrique du Sud. Hier, c'était Brazzaville qui a chassé les Congolais. Hier. Oui, hier. C'est-à-dire les années passées. Les Congolais étaient chassés en Brazzaville. Aujourd'hui, les Congolais sont chassés en Afrique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, étant ambassadeur de la paix, vous avez un message fort à lancer au peuple congolais? Les Congolais de chez nous, notre président a prié, a invoqué, a fait une grande demande pour que le Seigneur des Béné Israël, Elohim, soit notre Seigneur. Dans sa loi, si vous lisez dans Deutéronome et dans d'autres livres, il a dit au peuple d'Israël, son Église, ne vous vengez pas vous-même. Souvenez-vous que vous étiez étrangers en Égypte et que vous étiez maltraités. À votre tour, ne faites jamais souffrir les étrangers. Lorsqu'un étranger s'installera parmi vous, traitez-le comme votre frère. Qu'il ait part à tout ce que vous avez. Je vous donne cela en loi, c'est-à-dire en doctrine. Vous devez suivre ça. Parce que vous, mon peuple, vous étiez aussi étrangers en Égypte. Et puis, le Seigneur dit, vous savez ce qu'un étranger ressent. Un étranger ne se sent pas très bien parce qu'il n'est pas chez lui. Alors, il faut l'aider, il faut le soutenir. En tant que chrétien, rien qu'en tant que chrétien, le Seigneur dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Merci. Et le Seigneur a dit, à moi, Elohim, la vengeance. Vous ne vous vengez pas. Merci. L'homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui le peuple noir souffre parce que nous n'avons pas un prophète à nous. Nous manquons un prophète à nous le peuple africain. Ce n'est pas ça. Oui. C'est le Seigneur qui fait des prophètes. C'est le Seigneur qui établit des prophètes et les envoie. Même les prophètes d'Israël, ils étaient pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Prenons le cas de Moïse. Mais il était aussi prophète sur l'Égypte. Il fallait que Pharaon écoute la voix du Seigneur par le prophète égyptien. Il n'a pas écouté la voix. Le Seigneur lui a envoyé le prophète plusieurs fois à la maison, dans sa maison. Il n'a pas écouté. Le châtiment doit s'en suivre. Et les choses que nous connaissons ici et là, nous devons aussi nous poser la question de savoir, qu'avons-nous fait de mal pour nous attirer tous ces malheurs? Parce que le Seigneur fait toujours des choses selon la logique. Vous faites du mal à quelqu'un, il le fera pour vous. Si vous prenez la femme d'autrui, le Seigneur fera que la vôtre soit prise. Daoud a pris la femme d'autrui en secret, le Seigneur a dit, tu as fait ce que je n'aime pas. Pourtant, je t'ai donné beaucoup de femmes. C'est le médicament pour arrêter ce péché d'adultère. Tu as fait en secret, moi je vais le faire avec tes propres femmes, au grand jour. Quelqu'un, je vais lui donner, je vais lui attribuer tes propres femmes dans la polygamie. Il va les avoir. Parce que tu as méprisé ma parole. Nous ne devons pas mépriser la parole du Seigneur. Donc, ce n'est pas bien de se comporter en barbare parce qu'on est fâché. On nous a chassés du Congo Brazzaville, c'est-à-dire on a chassé les Congolais du Congo Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, les Congolais sont encore retournés à Brazzaville. Ne parlons même pas de Brazzaville. Parlons seulement de nous, notre pays. Les Kassaïens ont été massacrés. Plus que ce qu'on a fait au Congo ici. Brazzaville. Au Katanga.
on a coupé les têtes des Kassaïens. On les a jetés dans des lacs ou dans je sais pas, des rivières là-bas. Ils ont été broyés. Les Kassaïens ont souffert, disons de la part des Katangais, deux ou trois fois, mon frère. Moi-même, j'ai vu. Quand j'allais en mission au Kassaï, j'arrive à la gare à Mouiniditou, là même où j'ai grandi pendant, je crois, 7 ans. J'ai vu les rescapés assis à la gare, des familles entières n'ayant même pas mangé, chassés de leur propre terre, leur propre pays, au Katanga. Quand j'arrivais dernièrement jusqu'à Kolwezi, mes frères qui sont de là-bas, ils ont dit, pasteur, pour avoir chassé les Kassaïens de cette ville de Kolwezi. Mais c'était les Kassaïens qui étaient les plus intelligents, qui avaient des usines, qui travaillaient dans des usines, qui travaillaient à la Gécamine, qui travaillaient, ils avaient des ingénieurs. On a ravi leur magasin. Regardez ces magasins. Tout ça, c'était pour les Kassaïens. Les gens de Kolwezi ont mangé les racines. Pour avoir fait ce qu'ils avaient fait aux Kassaïens. Ceux qui les ont chassés, les usines étaient fermées, ainsi de suite. Finalement, ils ont mangé les racines ici. Ils ont mangé les racines. C'était maintenant la nourriture. Ne faisons pas du mal. Très bien. Ambassadeur de la paix, Pierre Kassamba-Kana. Hier, le peuple sud-africain a perdu Nelson Mandela. Nous, les Congolais, nous avons... A perdu. Hier, le peuple sud-africain a perdu Nelson Mandela. Nous, le Congolais, nous avons perdu Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est un docteur aussi en droit. Aujourd'hui, nous avons Pierre Kassamba-Kana comme ambassadeur de la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un message fort à lancer au peuple sud-africain, au peuple congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces deux peuples? Il n'y aura pas de paix si les gens, comme je le dis souvent, mon frère, ne retournent pas à la Bible, ne retournent pas au Dieu véritable qui est la vie éternelle. C'est un Dieu de paix. Il faut revenir à lui avec des cœurs contrits dans la repentance pour reconnaître tous les maux commis afin que nous ayons la véritable paix. Là-bas, ils ont perdu Nelson Mandela. Mais moi-même, j'ai vu la prison où il a été placé 25 ans, cruellement. Alors qu'il ne faisait que parler, comme Tshisekedi dit parler ici, les deux c'étaient les juristes. De la même manière que Mandela a souffert là-bas, de la part des Occidentaux, qui étaient venus prendre leur pays de force, de la même manière que Tshisekedi a souffert ici, Tshisekedi là, il est mort de coups. Hein. Il n'a connu que des coups, depuis Mobutu. Donc, il faut revenir à la paix, la véritable paix, en Yeshua HaMashiach. Savoir qu'il y a un programme. Nous sommes en train de nous entretuer. Mais quelle sera la fin de tout ça? Quelle sera la fin de tout ça? Les Africains, les Sud-Africains, ils étaient fâchés contre les autres nations africaines. Qu'on pose la question. Quel a été leur mobile? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important que nous puissions passer dans une réconciliation nationale et internationale? National au pluriel? Oui. Avec d'autres nations? Oui. C'est possible. Si on a des chefs... comme Tshisekedi là, c'est quelqu'un qui aime la paix. Vous voyez comment il visite d'autres pays, visite d'autres présidents, toujours il s'embrasse bien. Si la tête est bien, bon, tout le corps est éclairé. Si le Seigneur a dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est très éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire le conducteur, le pasteur, Tshisekedi doit être un bon pasteur, il faut qu'il se fasse ce pasteur. Qu'ils viennent dans l'église unitive, qu'il apprenne tout ce que je dis ici. Qu'il soit converti lui-même. Aujourd'hui, en tant que chef de l'État, qu'il laisse la politique. Qu'il prenne la parole de Dieu. Et devienne le vrai pasteur. C'est tout ce qui manquait à Tshisekedi Étienne. Il était un très bon type. Un homme de paix. Mais quand même, il est mort en tant que politicien. Ça, c'est pas bien. Il faut mourir en tant que chrétien dans le Seigneur pour ressusciter. Que Tshisekedi devienne pasteur, comme il a prié, qu'il devienne notre Shlomo, qu'il prenne la doctrine de Shlomo, qu'il nous procure la paix, afin que les États voisins, ils
peut faire ça parce que c'est possible de le faire. C'est un problème de vision aussi. Hein. C'est un problème de conversion. Ouais, ouais. Il doit quitter là où il est. Il doit revenir dans la vraie Église. C'est un intellectuel qui lise l'histoire. Il verra quand est-ce que les catholiques ont commencé. Ils ont commencé 4 siècles après la vraie Église qui a commencé à Jérusalem, l'Église de Shlomo. C'est là où il doit être, l'Église de la Bible ici. Il doit sortir de l'idolâtrie. Les catholiques sont les grands idolâtres. Et en tant qu'idolâtre, le Seigneur est très fâché contre eux. Et lui ne peut pas aller là-dedans. Il ne peut pas aller là-dedans tout en invoquant le Dieu du roi Shlomo. Ce Dieu-là n'était pas catholique, il n'était pas païen. Les catholiques sont de vrais païens. Ils ont des idoles, ils ont se prosternent devant les morts, ils parlent aux morts. La conversion signifie cela. Il doit se faire violence et sortir. Moi, j'étais catholique aussi. En tant que catholique, on ne connaît rien. On ne connaît rien. On doit revenir au Dieu d'Israël. Avoir des relations vraiment très étroites avec le peuple d'Israël. Et tout marchera. Lorsque le Dieu d'Israël est notre ami, tout va marcher. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Merci. Bandekoboso Landabiso Toyambi, Pierre Kasambakana, ambassadeur de la paix en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous sommes en train de discuter sur des questions d'actualité aux Ozole Kanamboka, sur des questions aussi spirituelles. Toye Lelo, parce que Botuna Gibiso, ma question mingi sur la sémence du serpent. Boebisi Biso Botuna Mogoyib Samosal Nzambe, a résumé le Biso, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le cadre du jardin d'Eden et Aloba, vérité à constater sur le plan biblique. L'homme de Dieu d'Otike Léo Maloba. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au jardin d'Eden entre Ève et les serpents? Est-ce que vraiment Mboumawa n'a pas de rapport sexuel? Wana Bayimbo Kaba, tout n'y a pas de question, Mingi, au répondre. Le fruit là, c'était la sémence physique, c'est-à-dire biologique, de l'être qu'on a appelé serpent ancien, qui ressemblait à l'homme. Et qui avait pris la femme d'Adam comme sa femme. Il l'a connue le premier, il a mis sa semence dans la matrice d'Ève, qui était la femme de notre père Adam. Le fruit là, c'est Caïn, la semence du serpent. Cette semence là, elle était biologique. Lors des rapports, le serpent qui connaissait ses principes parce qu'il avait assisté à la création. Il savait qu'avec Ève, je peux avoir mes enfants. Parce qu'il voulait aussi avoir des enfants sur la terre. Le serpent. Le serpent. Mmh. Et il a eu des enfants. À travers Ève, Caïn et les autres, cette famille-là. Dans le spirituel, la semence du serpent, c'est les prêtres. Les prêtres catholiques, les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes. C'est la semence du serpent, la semence de Caïn, la semence du diable. Parce que cette semence ne s'accorde pas avec la semence de la parole de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, dans le cannabis, ce qui est une manifestation à Miné Nézali, une organisation à Miné Nézali, ce sont les catholiques qui sont invités en première ligne? Mais regardez dans la Bible aussi. Lorsqu'il y avait des grandes manifestations politiques et tout ça, qui est-ce qu'on invitait parmi les religieux? Pas le peuple de Dieu, non? On invitait les magiciens, les astrologues, les faux prophètes. Nombreux. Mais maintenant, la semence véritable, qui avait même la connaissance, la révélation, la protection divine, le tableau général, prophétiquement parlant, on les négligeait, on les méprisait. On les cherchait en dernière minute. Quand il n'y avait pas de solution, alors on disait, c'est fini. Et on a dit, oui, c'est fini. C'est tout ce que vous avez là comme homme de Dieu. Non, et encore un qu'on n'a pas associé ici. Mais c'était lui, le vrai pasteur. Par exemple, Daniel. On ne faisait pas attention à lui parce qu'il était spirituel. On était jaloux de lui, il ne mangeait pas n'importe quoi. On est allé chercher en dernière minute. Yosef, qui n'était pas égyptien mais qui a sauvé le pays étranger. Donc un étranger peut venir chez vous et vous sauver. Si c'est un serviteur de Dieu. Joseph a sauvé le pays d'Égypte. Il a sauvé même son pays, c'est-à-dire la famille de son père, en nourriture naturelle. Il était prophète, il avait une vision. On est allé le chercher aussi après, et il était où? En prison. Souvent, les vrais sont en prison.
Nous avons notre frère en prison aujourd'hui en Tanzanie, lui avec ses deux femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les documents de séjour. Mais les gens ne savent pas que c'est lui le prophète qui est dans ce pays-là. Il a été accusé par les frères de cette tonnerre de ce pays-là, parce qu'il les avait tous terrassés dans leur convention. Et ils sont allés l'accuser pour dire qu'il n'a pas les documents pour prolonger son séjour. Il est là. Aimerez-vous aujourd'hui, en prison. Aimerez-vous aujourd'hui soutenir le président de la République sur le plan spirituel par rapport à toutes ces vérités au Yébi sur le plan biblique? Oui, je suis prêt, je les soutiens, je les soutenu. J'ai parlé à la télévision avec vous. Avant tout le monde, lors des élections, je l'ai soutenu. J'ai envoyé aussi des messages, mais lui ne reçoit pas mes messages. Il ne les met pas en pratique. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas important, je ne suis pas populaire. On ne peut pas considérer ce... J'avais dit qu'il faut qu'il suive le Dieu d'Israël. C'est la solution. Comment suivre le Dieu d'Israël? Mais par exemple, il a fait le gouvernement. Beaucoup de femmes dedans. Ça, c'est un échec. Mais la parité est importante. La parité. Mais l'émancipation de la femme. Mais moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis un éclaireur. Je suis comme un prophète. Je ne suis pas prophète. Comme un prophète. Je suis comme un prophète. J'ai dit avant tout ça. Avant. On a mis les femmes dans le gouvernement. Mais c'est un échec. Aujourd'hui, nous sommes... Quand même une semaine après, je dis, aujourd'hui nous sommes où? Nous sommes où, par exemple, avec les Sud-Africains? Où sommes-nous? Nos frères qui sont maintenant en Afrique du Sud, avec tout ce que nous sommes en train de faire, ou nous sommes en train de proposer de faire, nous serons où? Comment voyez-vous l'avenir du Congo après 5 ans? Laissez-moi vous dire encore un exemple. Une femme, jeune femme a été nommée comme ministre au plan quelque chose comme ça. Je ne suis pas bien sûr de cela. C'est un témoignage. On n'a même pas encore commencé le travail pour gouverner. Déjà, elle a commencé à pleurer. Voilà. Mes frères de Kisangani, venez m'aider parce que je ne saurais pas. Allez. Déjà, on n'a même pas encore commencé à travailler. Mais pourquoi laisser les hommes qualifiés, compétents, des experts, qui ont beaucoup de connaissances, à mettre en pratique? On va remplir le gouvernement des femmes. Qu'est-ce qui est arrivé à ma tête avec une femme? La femme, on doit la laisser à sa place. Si nous voulons que le Dieu d'Israël marche avec nous, nous devons nous convertir, nous tous, à tous les niveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, après la prière de la nation... Ramenez la femme à la maison. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, après la prière de la nation, que le président de la République a prié pour le pays au stade de martyr, quelque chose a changé sur le plan spirituel? Rien. Sur le plan spirituel. Mais rien. Là, rien du tout. Rien. Prenons des petits exemples. Les femmes sont toujours en pantalon. Même dans le gouvernement, elles sont toujours en pantalon. À Matadi, les femmes se prostituent. Au haut niveau, les autorités vont toujours prier chez les catholiques. Qui a été baptisé bibliquement dans le gouvernement? Le gouvernement sortant ou le gouvernement entrant? Ce sont les mêmes choses. Rien n'a changé. Sur le plan spirituel. Mais il y aurait des repentances, des conversions, des confessions terribles. Les gens devaient pleurer, aller même au stade et pleurer, confesser. Pour qu'il y ait le changement. Mais rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Vous demandez quoi aujourd'hui au peuple congolais dans tout ça? La repentance. Que le peuple s'arrête, se repente et sorte de dénomination chrétienne pour trouver le vrai chemin. Sinon, ils vont dire, oh non, on ne savait pas. Mais qu'est-ce que moi je fais chaque jour depuis que je prêche? Je vous dis toujours, ne suivez pas cette voie ici. C'est la voie de Satan. Peut-être les gens... Voici la voie de... Peut-être les gens n'ont pas confiance à vous parce que vous prêchez le message du temps de la fin, parce que vous êtes polygame. Mais nous sommes au temps de la fin. Il fallait un message spécial pour le temps de la fin. Et le message du temps de la fin, c'est pour apprendre à tout le monde de quitter les dénominations chrétiennes
pour être préparé par le message du temps de la fin, afin d'être épousé. Le message du temps de la fin, c'est le mariage et le divorce. C'est pour réparer la faute d'Ève, la faute d'Adam et la faute du serpent. C'est le mariage et le divorce. Vous pensez que c'est quoi encore? Merci. Le péché qui a été commis sur la terre, c'est lequel? Pour qu'il y ait des troubles en Afrique du Sud, des troubles au Congo, vous avez la politique, les politiciens se voient des rois, ainsi de suite. C'était quoi? Ce n'était pas du vol, c'était l'adultère. Maintenant, le message du temps de la fin, c'est pour réparer cet adultère-là. Merci. Condamner l'adultère à tous les niveaux, la prostitution à tous les niveaux. Ramener les femmes à la maison. Mieux vaut être polygame que prostituée. Mais oui, mais c'est ça le médicament divin. Merci. Un message de la fin par rapport à tous ces gens qui nous ont suivis à travers le monde. Au lieu de commettre des bêtises dans des bureaux, dans des maisons des gens, l'adultère, la prostitution, l'homosexualité et la magie, le Seigneur a dit à David, je fais de toi polygame pour que tu ne fasses pas ces choses. Les grands de notre pays doivent avoir le courage de parler ouvertement dans notre loi, notre constitution, de parler ouvertement lingala en swahili, en lubangi, congo, dans les dialectes que nous acceptons la polygamie. Dans la constitution? Oui, à tous les niveaux. Dans la constitution, dans la loi, dans le, comment on appelle encore ça, le code de famille, que la polygamie soit honorée et que la nation se repente d'avoir parlé contre la polygamie. Par les juristes qui ne comprennent même pas que la Constitution n'est pas contre. Qui est la repentance? Le Seigneur ne peut pas marcher avec nous si on ne se repent pas. Nous devons pleurer. Le Seigneur a dit quoi? Si le peuple sur qui mon nom a été invoqué. D'abord ça, il faut accepter que sur la nation congolaise, le nom du Seigneur soit invoqué. D'abord par le baptême. Que les grands soient baptisés ici, dans l'eau. Par la repentance et par la confession. Deviennent des chrétiens. Que les femmes ôtent les pantalons. Qu'elles arrêtent de monter sur les motos. Ça, c'est maudire le pays. Et qu'on les retourne à la maison. La Bible dit que la femme doit être occupée au son domestique au lieu d'être là-bas prise et les images sont allées partout. Ça, c'est une honte. La repentance, confession, et que le nom du Seigneur soit invoqué sur chacun dans les eaux du baptême. Comme ça, le travail va se faire très bien dans la justice. L'argent ne sera pas volé. L'argent va être utilisé pour des fins bien. Les élèves vont bien étudier. La télévision sera bien nettoyée. Au lieu de montrer les prostituées qui dansent. Les prostituées qui dansent, on laisse ça à la télévision. Mais c'est comme ça qu'on dépose la malédiction sur le pays. Et on invoque le Dieu d'Israël pour venir attester les actes immoraux. Il ne le fera pas. Merci. Ndeko Balandi, comme Nasuka par rapport à la mission à Lelo, Boyoki, ambassadeur de la paix, le pasteur Pierre Kasambakana, c'est l'ami de la vérité. La vérité ne blesse que les imbéciles, les gens qui comprennent en retard. Restez scotchés et cimentés. Plus 243 89 00 6049. Le mardi c'est pour la rediffusion et la diffusion c'est pour le samedi. To pesi mbote na ba imboka o bazo c'est pour l'émission to sala on a makasi ya nzambe parce que nzambe bazo pesa biso souffle de vie qui cité ezamayelo de tangelagi sur le banc de l'école na bible oyo mosala nzambe bazo te ya biso. Donc ozana liposa autour na ba question tout na mosala nzambe ba question au commune numéro wana et koma pa na ye et puis église ezap partout dans le monde. Numéro de contact d'homme de Dieu. 099 99 deux fois 100 99 58 0. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.